Bonjour à tous et à toutes, ici Lumitrez, donc un petit Minecraft détente. Donc détente, ça veut dire que ici, ici c'est pas la map que d'habitude j'emploie, donc la map que j'utilise de base pour faire des aventures. J'ai trouvé une map assez sympa, bon sympa, est-ce que c'est vraiment une map sympa ou pas? Peu importe. En tout cas, j'ai trouvé la map intéressante parce qu'en fait, j'aime bien les labyrinthes. Et regardez comme, regardez, c'est une sorte de labyrinthe tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement qu'on va tester ce labyrinthe. Donc pour moi, je vais diminuer le son parce que sinon, je m'entends pas. Donc on va tester le labyrinthe tout simplement. Donc vous êtes prêts? Même si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Go! Donc j'ai pas pigé. Vivez le plus longtemps. Ils arrivent. Sais pas, ils arrivent où, mais... Ah bah je suis déjà mort. Ça n'a pas été terrible. Pas terrible, hein. On recommence. On essaie de faire mieux. Allez, on va y arriver. Faut essayer d'arriver au bout de l'autre côté. C'est là que ça va être chaud. Il faut arriver au bout de l'autre côté de la map. Enfin, tout. Et c'est hyper complexe parce que. Enfin, c'est pas que c'est complexe, complexe, mais disons que c'est assez chaud quand même. Parce que si les zombies vous tous, ils vont voir le chat. Bah, apparemment je suis déjà arrivé. Voilà, bah voilà, j'ai survécu. C'était assez facile. C'est assez expliqué parce que normalement de base je devrais avoir plus de soucis que ça. Et il faut faire quoi maintenant? Je sais pas. On va peut-être essayer de revenir de l'autre côté, j'en sais rien. Mais en tout cas, notez que j'ai réussi le challenge. C'est assez bizarre comme challenge. De challenge. Ouais, j'arrive pas à dire. Donc j'avais un souci de micro, je sais pas comment ça se fait. Le son était pas fort, en espérant que ici ça va pas faire ça. Et du coup, bah, c'était assez dérangeant parce que. Voilà. Ah bah, je suis mort. Bon, ben la map elle n'offre pas plus que ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais quitter et vous montrer la suite. Bien sûr, pour vous, ce sera coupé. Donc, je vous dis à tout de suite sur l'autre map. Donc, l'autre map que je vais décider de faire une aventure dessus. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour. Donc, c'est sur cette map-ci que je vais faire une aventure Minecraft. Pour certains, ils connaissent cette map sur le nom je sais plus quoi, coopération hostile, oui, parce qu'en fait j'ai repris les trois maps où Prigel et Stéphano, les Elvacs ont fait leur aventure. Sauf que moi je vais la faire toute seule, tout seul, pardon, je suis un mec. Je vais le faire tout seul parce que voilà, j'ai pas de serveur, je sais pas trop comment on fait pour en avoir un. Donc du coup, je suis obligé de me taper la map toute seule, tout seul. Le truc qui est assez drôle, c'est que la map elle est assez difficile. Donc tout seul ça va être assez galère. Donc ça veut dire que j'aurai pas d'aide, j'aurai pas d'entraide comme dans la version avec les trois personnes, donc avec coopération aussi avec Siphano, Priget et Zelbach. Je serai tout seul quoi. Donc ça va être encore plus difficile. Après pour ceux que ça intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais moi j'ai envie de vous partager un peu cette nostalgie, mais en faisant tout seul. C'est une sorte de défi en fait. Je vais être en mode normal. Donc mode normal. Pour le moment je suis en mode pacifique parce que j'ai pas envie d'avoir le mob qui m'attaque. Donc voilà, vous avez la preuve que j'ai changé de mob. On est en mode normal. Et je vais commencer l'aventure en mode normal. Donc ici c'est une simple vidéo. Détente pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. En bref, après on va me dire ouais plagiat, j'en ai rien à foutre sincèrement, je fais ce que je veux, j'ai vraiment envie. En plus au début, si vous voulez, j'avais un souci, c'est que quand je cassais les blocs,
Ben, il restait en fait, il y avait un bug, ça ramait. Mais depuis que j'ai trouvé un gars sur internet qui a expliqué comment faire que ça, pour que ça ne rame plus comme ça, le truc c'est qu'il fallait marquer sur Panmagraphie là, je ne sais pas quoi. Donc je vais vous montrer, vous allez rien voir pour l'instant, mais je vais le mettre en, vous inquiétez pas, je vais le mettre devant. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Vous allez me comprendre. Donc comme ici vous voyez, je suis dans le truc de data de Minecraft. Vous allez dans options. Et ici, voilà, ça peut faire peur. Ici, en fait, il y a un souci. C'est pour ceux qui ont un problème où ça rame. Quand vous avez une carte près que vous avez mis à installer, vous avez déjà installé des cartes. Donc une carte préinstallée, donc comme celle-ci que j'ai, c'est une carte qui a été créée, c'est une que vous avez extrait pour l'installer, etc. Et on s'en passe des trucs. En fait, quand vous allez dans le truc de texte ici, à la place, il est marqué ça. Voilà, il est marqué ça à cet endroit. Et la chose que vous devez faire pour que ça rame plus, c'est que vous devez changer ça en ça. Et vous enregistrez, il n'y a pas de risque, ça ne plantera pas. Au contraire, la prochaine fois quand vous jouez sur vos maps, quand vous cassez les cubes, ils se casseront et ça ne ramera plus. C'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment pratique. J'ai vu ça sur un tuto sur YouTube. Après le reste, je n'y touche pas. Hein. Bon, bien sûr, vous avez bien vu que par exemple, c'est en fait des encodages sur le truc de sélection parce que ici, c'est le render distance de chunk. Moi, j'ai mis sur 6. Eh ben, là, vous allez voir que, ben oui, et bel et bien, ben, le chunk est sur 6. Si je bouge, donc si je fais ça, hop, hop, regardez, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va se mettre sur 6 ici aussi, à mon avis. Ben, hop, on reprend la partie. Attends un peu. Ah. Bon, ici, bizarrement, ça bouge pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que ça change après la suite. Mais voilà. Ça fait après, quoi. Ici, c'est normal parce qu'à mon avis, le texte se recharge. Il faut recharger, en fait. Il faut requitter. Ça, automatiquement, ça va demander de changer de façon. Enfin, voilà. Donc, moi, je mets sur ça parce que, voilà, c'est sur un ordinateur portable. Donc, voilà. Vous voyez un peu mes trucs. Comment moi je me suis organisé. Bon, les sons, je les ai remis normalement. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le texture pack, ben, c'est celui-là que j'envoie. C'est le full pack machin de Hypierre. C'est mon frère qui me l'a donné. Qui a donné le pack de texture que j'ai envoyé, tout simplement. Et c'est un très beau pack. Rien à dire. Voilà. Comme ça, vous savez quel texture pack j'envoie. Après, Ah bah vous avez la preuve qu'on est bien en mode what the fuck, hein. Donc après, voilà, ça c'est pour l'aventure que je vais faire sur cette map. Après, le souci c'est qu'ici, bah, je manque de bouffe, j'ai rien. Le truc que je peux faire c'est me suicider, peut-être que je risque rien. Parce que je n'ai plus rien. Ah. Voilà. Voilà, c'est mieux. Oui, j'ai essayé de nager dans la lave, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc le souci aussi que je vais régler, c'est en fait le problème de. En appuyant sur F ou quoi, ça met. En fait, ça met. Si vous voulez, ça met tout simplement. Ça augmente le son, ça diminue. Putain. Faut pas arrêter de me faire chier, ces monstres. Ça diminue, ça augmente. Non mais t'es sérieux là. Bon, pendant que j'explique, je vais passer en mode pacifique parce que c'est impossible d'expliquer avec ces monstres. Voilà. Tout simplement quand je passe, j'appuie sur les F5, F11, F4 et tout. Vous avez compris de quoi quelle touche que je parle. Eh ben, ça fait la fonctionnalité augmenter volume, diminuer. Donc je dois modifier ça dans un paramètre, je ne sais pas lequel mon frère va faire. Ce qui me permettra de me filmer, si vous voulez, filmer mon personnage pour vous parler devant. Ce sera plus beau qu'au lieu de vous parler en première personne.
ce sera un peu plus beau et plus représentable. Donc je vous dis donc bien à bientôt. Bien sûr, il y aura les trois maps, donc celle-là, celle avec les Silverfish qui ont dû, se sont fait déglinguer par les Silverfish. Et il y aura celle avec le ciel, machin truc, map escape ciel. Avec, enfin c'est pas le ciel, mais c'est plutôt, allez, comment ça s'appelle? La map avec, comment ça s'appelle? La map, c'est la map, la troisième saison, si je me trompe pas, de coopération hostile. Avec c'est un endroit volant, en fait, où on voit des sortes de nuages ronds. Vous verrez quand on y sera. Il faut d'abord que je fasse cette étape-ci qui va être très difficile, en votre compagnie, bien sûr. Je vous dis à bientôt et bye bye pour ces épisodes qui arriveront bientôt sur ma chaîne. Bye bye!